Donc je suis allé sur... Si ce que je fais, ça t'intéresse pas, tu peux partir. Non, c'est à côté, la porte. Voilà, en plus. Donc je suis allé sur un petit site qui s'appelle magieraté.com et sur ce petit site, j'ai trouvé trois petits tours très intéressants. Le premier, c'est l'apparition de la fameuse colombe. Alors vous demandez, quand vous voyez un magicien, comment fait-il apparaître la fameuse colombe? Est-ce que vous avez envie de le savoir ou pas ce soir? Très bien. Alors, pour la colombe, il faut tout d'abord une valise. Une valise. Parce que dedans, nous avons le... Le pigeon, oui, c'est ça. Nous avons bien sûr un foulard. Un foulard qui est entièrement, regardez bien, entièrement... Noir. Très bien. Vous savez pourquoi il est noir? Parce qu'il est pas blanc. Pourquoi est-il noir? Ben parce que j'avais que celui-là, je n'avais pas 36. Bien. Ensuite, on va se mettre une petite musique. Et mesdames, messieurs, ce soir, pour Marilyn, pour le combat de jour, voici l'apparition de la colombe. Regardez, sans manche. Petite musique, maestro. Ben oui, il n'y a pas de technicien, c'est la crise. C'est comme ça. On va faire, je sais pas ce qu'on va faire comme musique, on va voir. La deux, c'est ça. Prêt? C'est parti! Attention, le magicien prend toujours le foulard comme ceci. Pareil, debout. Une tourne, rejoint comme ceci les deux bouts. Une petite boule, il fait souffler par une charmante dame ou une demoiselle. Il y en a pas. Vas-y. Ah oui, descend, vas-y. Ah, c'est la crise. Ah, bah, c'est ça. Votre prénom, c'est comment? Ça revient dans la main, très joli. Allez-y, soufflez. Non, pas cracher, soufflez. Merci. Et grâce ce soir au souffle magique de Nathalie, la colombe apparaît. Eh, c'est pas beau ça? C'est. Attendez. Alors, je vous précise qu'avant, les magiciens faisaient de la magie avec des francs. C'est-à-dire que les francs pouvaient se payer des vraies colombes. Maintenant, nous sommes en euros. Alors, l'avantage de l'euro, c'est que pas beaucoup d'entretien. Vous voyez